Je suis enseignante en classe relais. J'ai proposé à mes élèves en décrochage scolaire d'aller animer des ateliers de découverte d'Internet et de formation d'Internet dans une maison de retraite à Brest. Il y a des constantes chez ces élèves-là, c'est qu'ils ont... Ils n'ont pas confiance en eux, ils ne se sentent pas capables de réussir en ramassant un petit peu tous ces constats-là. Donc j'ai proposé des ateliers de formation par les élèves de classe relais dans un EHPAD, un établissement public d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant sur d'autres projets. Et on a créé un site, après on est passé au blog. On avait fait un blog bilingue, français normalisé, langage SMS. Du coup, il y a eu initiation personnes âgées au langage SMS. Et les personnes âgées, du coup, aidaient un petit peu les élèves à mieux écrire en orthographe. Donc, il y avait un échange en plus de connaissances, de compétences, de savoir. On y est depuis 2003, donc ça fait longtemps. À peu près, 200-220 jeunes sont passés par ce projet-là, et aucun refus de la part des adolescents. Or, les élèves, le public de classe relais, s'ils veulent pas y aller, ils savent le dire, quoi, hein, ils savent le dire. De les voir s'installer avec des personnes âgées, essayer, avoir de la patience. Moi, je suis étonnée de la qualité de leur accompagnement. Alors, des fois, j'arrive à côté d'eux en leur disant, tiens, tu pourrais peut-être, mais j'ai déjà fait, qu'ils me disent, je dis d'accord, ok. Donc, vraiment, la qualité de leur accompagnement, ça, c'est impressionnant. Actuellement, on tourne avec 12 à 14 personnes âgées, donc de deux générations de vieux, hein, les très âgés qui sont dans l'EHPAD, et puis les retraités du quartier qui viennent aussi pour avoir une formation. Puis les personnes âgées qui sont très curieuses, ouvertes, ben, contentes déjà d'être encore intéressantes pour des adolescents. Et puis du coup, très curieux aussi de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça se passe, etc. Moi, je crois au faire ensemble, quoi. Pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Moi, j'aime bien ces petites choses-là qui sont toutes petites, hein, qui sont de l'ordre du quotidien. Moi, j'attends pas grand-chose qui va tomber de là-haut, hein, mais je crois aux petites initiatives locales. Moi, je pense que l'école a une mission d'apprentissage, certes, hein, mais aussi on a une mission de permettre le vivre ensemble. Et ça bon, moi, je collabore notamment par l'intergénération et le vivre ensemble passe par le faire ensemble, quoi. On ne peut pas décréter, il faut le faire, quoi. Il faut pratiquer, échanger. Il y avait aussi un enjeu, c'était que les personnes âgées, bon, on ne rencontre pas les jeunes de façon spontanée, mais se retrouver un petit peu à l'écart du numérique. Hein. Moi, j'avais ma mère à ce moment-là qui me disait, c'est quoi ces 3 W là qu'on voit partout? Donc, il y avait aussi une mise un peu à l'écart de ce public âgé. Mes élèves sont en posture de formateur et on prépare les ateliers avant d'y aller. Donc, ils ont plusieurs outils dans leur mallette, hein, pour pouvoir s'adapter aux personnes âgées. On va 2 fois par semaine, des ateliers d'une heure. Alors, sur le dispositif Rondelle, les élèves sont accueillis 2 demi-journées par semaine. Le reste du temps, ils sont dans leur collège. On pratique le temps partagé avec leur collège de rattachement. Et ce qui fait que chaque élève participe à un atelier dans la semaine. Certains 2, mais c'est assez rare. Donc, 1 fois par semaine, ils sont donc acteurs dans cet atelier intergénération. C'est assez étonnant, dans cet atelier-là, ça peut très bien discuter de philo, ça peut très bien être sur, la météo, une recette de cuisine, ou bien, bon, le courrier électronique, oh, j'arrive pas à ouvrir les photos que j'ai reçues de mes petits-enfants, est-ce qu'on peut imprimer, etc. Et on a notamment un travail de collaboration de toute philo, c'est-à-dire que c'est une classe relais de Saint-Nazaire avec qui on travaille, qui publie une question philosophique à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Du coup, les élèves s'emparent de cette question, réagissent et ont apporté ça aussi à l'atelier intergénération. Et on a entendu des discussions entre les personnes âgées, les élèves du dispositif relais pour réussir à faire un tweet sur la question philosophique. La dernière, c'était « qu'est-ce que c'est être intelligent ?» De leur donner
le cadre pour que ça puisse se passer, puis après il faut leur faire confiance, quoi. Mais réellement confiance, quoi. Donc ouvrir des possibles, et après laisser les choses avancer, connaître, savoir ce qu'on veut faire passer, enfin où on veut aller, mais on ne sait pas trop comment on va y aller, puis de laisser les gens après avancer, puis bon, si ça ne marche pas, ben, on va chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné. À l'école, on ne pointe que ce qui ne va pas, parce que, pour diverses raisons, alors, ils ont sûrement mis des choses en place pour que ça ne fonctionne pas. Mais bon, après, on peut chercher pourquoi. Pourquoi ils ont, enfin, voilà, bon, ils ont des histoires de vie compliquées. Mais on voit que si on leur redonne confiance en eux, si on leur accorde une place, si on leur reconnaît un savoir, si l'environnement est bienveillant, eh bien, il y a des choses qui sont possibles. Donc ça interpelle quand même sur l'école aussi, quoi.